Résonance 96.9, et c'est plutôt tranquille. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ginette. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le 96.9. Et merci de votre fidélité à Radio Résonance. Comme chaque troisième mardi du mois, c'est l'émission Les Souffleurs de Verre. Présentée ce soir par Ginette et Sylvain de l'association Les Poètes en Berry. Les souffleurs de verre. Un souffle de poésie. Ce soir, mardi 18 septembre 2018, c'est Sylvain Grivotte qui va essuyer les plâtres, entre guillemets, de la première émission de la saison 2018-2019 afin de nous présenter son deuxième recueil à fleurs de poésie. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Comme d'habitude, munissez-vous d'un crayon pour noter les rendez-vous de votre agenda. Le poème du répertoire est également des respirations chantées. Commençons par la première. J'ai l'esprit léger des petits moineaux. Mais je l'ai bien caché sous mon manteau. Notre monde, il est pas bien normal. Les grandes personnes sont bien originales. Ils me prennent pour un tout timbré. En sachant que je me suis libéré du poids de toutes les conventions. Pas vraiment bien dans le ton. Moi je regarde courir les chevaux. Ils sont forts, c'est un bel animal. Plus beau que tous ces gens qui passent souvent leur temps à se tromper eux-mêmes. Et moi j'ai pas de problème, je me pose pas de questions. J'ai mes deux antennes qui me donne la direction, c'est pas toujours la même. Des fois, ils me voient tous comme un martien. C'est vrai, quelque part, je viens de loin. Quelque part, mais je sais plus où, très bien. Bah, l'essentiel, c'est ce qui viendra demain. C'est pour ça que moi, je préfère les chevals. Ils ne partent jamais en diagonale. Quand on a gagné leur amitié, ils ont vraiment rien à vous reprocher. Moi je regarde courir les chevaux. Ils sont forts, c'est un bel animal. C'est vrai que je suis décalé, mais qu'est-ce que vous voulez? Car moi je sais ce que je veux, que vous m'aimiez un peu et voir au fond de vos yeux la même fidélité qu'Horace ou Andrieux, mes fidèles bestriers. Pardon, c'est pas bestrier? Ah, bestrier. Bon, pareil. Moi, je regarde courir les
cheval, ils sont forts, c'est un bel animal. Moi je regarde courir les chevals, ils sont forts, c'est un bel animal. J.L., les chevals, paroles et musique de J.L., qui était également au piano, guitare, ukulélé et mandoline, entouré d'Alain Boulou-Prost à la basse, Morgane Leluez à la flûte traversière et David Teboul à la batterie, tiré de son album J.L. Petit Bonhomme, édité en 2008. Avec notre invité Sylvain Gribotte, tout de suite un premier poème. Illuminer l'obscurité, si les tempêtes noircissent ton ciel, pour évanouir ta beauté spirituelle, ou que les nuages te cachent la lumière du soleil, arrête-toi un instant et imagine des merveilles. Aussi calme et serein qu'un paysage enneigé, à côtoyer des parfums d'allégresse et de légèreté, observer des envies agréables et nouvelles, et des fleurs aux couleurs de plus en plus belles. Parcourir et évader ses pensées, illuminer l'obscurité et l'insensé, laisser vagabonder ses idées illustres pour éclairer même le vulgaire ou le rustre, puis étancher sa soif aux salvifiques fontaines pour perdre sa souffrance, sa douleur ou sa peine. Un premier poème donc tiré de ce recueil à fleur de poésie, c'est le deuxième recueil. Le deuxième recueil, oui. Je crois que, sans rentrer dans les détails, c'est celui qui correspond à ce recueil que tu souhaitais réellement, tel qu'il voilà. Soit conçu. Pour moi, c'est un recueil intimiste, comme le premier, un peu, voilà, c'est très personnel, avec aussi un désir d'évasion lié à mon imaginaire. Voilà. Ça correspond aussi parfois à mon vécu. Puis d'autres textes plus dans l'évasion, plus dans la représentation d'une rêverie que j'aimerais peut-être vivre un jour. Que tu imagines plus belle que la réalité. Oui, parfois la réalité peut être pesante. Le monde dans lequel on vit n'est pas doux, n'est pas forcément tendre non plus. Mais il faut se faire une place, et l'écriture pour moi est une catharsis. Ça me libère vraiment de choses, de ma sensibilité qui est à fleur de peau, souvent. Oh oui. Et j'ai besoin de ça pour vivre et exister, en fait. Ça se ressent, tu sais. Et c'est vrai que dans tout recueil de poésie, y compris dans celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas forcé de lire de la page 1 jusqu'à la dernière page. On peut prendre au hasard un poème et puis apprécier. Moi, ce que j'apprécie chez Sylvain, je l'ai déjà dit la dernière fois qu'on l'avait reçu, c'est que c'est toujours plein d'émotions, de sensibilité, d'humanité. Oui. Moi, ça me touche toujours, et moi, je vous conseille vraiment de lire ce second recueil. Et le premier également, s'ils ne l'ont pas déjà. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'on retrouve quelques poèmes du premier recueil dans le deuxième. On retrouve quelques poèmes du premier recueil qui ont été retravaillés et remaniés pour certains, car j'avais envie de perfectionner un peu mon écriture, avec une manière plus légère, peut-être plus descriptive aussi, plus dans l'onirisme également, avec des adjectifs qualificatifs pour certains textes que j'ai dû rajouter, pour agrémenter la lecture également. Comme un artiste peintre qui n'est jamais satisfait de son... Je peaufinais un peu ma première œuvre dans le second. Enfin, si c'est une œuvre, je ne suis pas sûr que ce soit une œuvre, mais en tout cas, mon recueil. C'est exactement ce que c'est, une œuvre. C'est bon, c'est pas bon, mais c'est une œuvre. Voilà. Ouais. Tu as œuvré pour l'écrire. L'arbre des lendemains. Peuplé de natures diverses et nombreuses, mes formes inspirent les histoires fabuleuses. Je suis l'arbre des lendemains, en compagnie sur vos chemins, et je réveille vos sens et vos consciences de ma tendre et bucolique présence. À l'automne, mes chaudes et vives couleurs tapissent les décors de nuances en kyrielle, et s'ébruite alors, sous vos pas solennels, la mémoire agréable des paysages en fleurs. Ma sève, rendue peu enthousiaste, anticipe la froidure et les cristaux, contemplés silencieusement bientôt dans un style épuré dénué de faste. Prévenu du vol cadencé des hirondelles, je prépare l'éclosion nouvelle, et il arrive parfois que j'inaugure la naissance d'oisillons dans ma ramure qui entonne la musique éthérée du vent accompagnée des gazouillis et des piaillements. Pour vous faire languir un peu et par pudeur, mes bourgeons dévoilent lentement leurs fleurs, dont les parfums singuliers s'exhalent et voyagent jusqu'à imprégner vos êtres de passage. À la belle saison, je fructifie afin d'assouvir vos appétits, puis de mes fruits j'en laisse choir certains aux mains gourmandes et à vos fins. Capturant les particules toxiques et délétères, je participe à la pérennité de l'air. Et si vous atteignez le faîte de ma cime, c'est qu'en amont, mes racines intimes conduisent la sève jusqu'à mes tiges fières, d'un sol nourricier vers un ciel de lumière.
La douce brise et les ramages apaisent quelque peu ma colère quand j'entends que vos victimes de guerre sont tuées de sang-froid par des sauvages, en même temps que vos ambitions puériles à me décimer pour des causes mercantiles. Mais n'oubliez pas quand même qu'on récolte ce que l'on sème, que nous évoluons communément ensemble, et quand mes branches frissonnent et tremblent, c'est dans l'espoir inquiet d'un harmonieux respect fleuri de tolérance, d'amour et de paix. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Jacques Brel, quand on n'a que l'amour, bien évidemment, texte et musique du Grand Jacques, direction musicale de François Robert. Il s'agissait ici de la version 1960, après celle qui fut gravée également par Jacques Brel, mais en 1957. Radio Résonance 96.9, vous écoutez l'émission Les Souffleurs de Verre, proposée comme chaque troisième mardi du mois par l'association Les Poètes en Berry, et nous continuons d'évoquer le second recueil de notre invité Sylvain Grivotte, à fleurs de poésie. La tête dans les nuages. J'écrirai les couleurs de la vie en pages fortes d'espoir et d'envie. J'évaderai mes diverses pensées vertigineuses et imbues d'idées dans une rêverie tendre et solennelle, la tête dans les nuages avec le ciel. J'observe autour de moi des personnes s'endormir au visage blasé, fatiguées de souffrir. Les pléthoriques lumières vespérales serviront la flamme de ma lanterne telle une source inspirante, joviale, une énergie philanthrope, une aubaine, pour communier et raconter aux gens que la vie est simple, réjouissante et belle, comme une musique ou une ritournelle aux notes fleuries de rires d'enfants. Que rajouter à ça ? Moi, je trouve ça vraiment très très beau. Alors, on remarque que ce sont des poèmes relativement court, ça fait plaisir à notre bien-aimé président Jean-Pierre Mercier qui aime bien que l'on lise des poèmes courts. Est-ce que c'est facile finalement d'écrire un poème, je veux pas dire le plus court possible, pour dire le plus possible de choses ou... En fait, parfois je ne réfléchis pas forcément à la taille du poème, l'écriture se fait au fur et à mesure. Il y a des poèmes un peu plus longs que d'autres, mais en général c'est assez laconique. C'est effectivement, je suis plutôt concis dans mes choix d'écriture. Là, j'ai évolué sur mes derniers textes qui ne sont pas encore édités, sur un style un peu plus descriptif. Il y a plus de qualificatifs. Je fais un effort, en tout cas, d'écriture pour bien exprimer ma sensibilité sans être trop long ni diffus.
parce que je pense que synthétiser son idée est plus à même d'être apprécié par le lecteur. Enfin, c'est mon point de vue, en tout cas. Mais je pense que c'est pas si évident déjà d'écrire un poème, alors après de faire en sorte qu'il ne soit pas trop long. Ginette, je sais pas ce que tu en penses, mais... L'inspiration, ça dépend de l'inspiration. C'est... Quand on commence à écrire, on ne sait même pas si ça va être quelque chose de court ou quelque chose de long. Les idées viennent, point. C'est comme ça pour moi, en tout cas. Oui, c'est sûr que c'est un parti pris. Après, c'est vrai que certaines personnes sont plus à l'aise dans un mode plus prolifique, dans une écriture plus prolifique, plus exhaustive peut-être. Moi, je n'y arrive pas, en fait. J'ai besoin d'écrire et de toucher assez rapidement le lecteur en ayant mon style, du coup, plus peut-être épuré ou concis, plus bref. Ouais, des termes parfois un peu coup de poing, finalement. Oui, bah, comme on dit vulgairement, des punchlines, ça peut percuter dans le mode langage jeune, faire des phrases qui interpellent tout de suite, en fait. Je regarde tes poèmes, il n'y en a pas un seul qui dépasse la page. Exactement, il y a 100 poèmes. Je ne sais pas si c'est volontaire d'avoir fait pile 100 poèmes, mais il y en a 100. Non, ce n'est pas volontaire. Voilà. Tu disais que tu avais déjà des idées d'autres poèmes, d'autres textes. Je crois, mon petit doigt me dit, je ne me trompe peut-être pas beaucoup, il y a un troisième recueil, éventuellement. Oui, potentiellement publiable, bien sûr. Ouais, j'ai mes textes qui sont déjà prêts chez moi. J'attends d'économiser encore un petit peu pour le sortir. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce que c'est pas évident, ça a un coût, mais j'ai hâte de le faire. Parce que c'est vrai que sortir un livre, surtout aujourd'hui à l'heure du numérique, où tout le monde lit sur des tablettes, des smartphones ou je ne sais quoi, sortir un livre, ça coûte très cher et il faut déjà amortir celui-ci. Et on n'amortit jamais. Moi, je sais tous les recueils que j'ai faits. Ceux que je faisais moi-même, ceux-là, ça ne coûtait pas grand-chose. Mais ceux que j'ai fait faire par Thierry, m'ont coûté de l'argent et je ne suis pas rentrée dans mes frais. Hein. Thierry, c'est bien évidemment Thierry Sajat qui a justement édité ce second recueil de Sylvain Grivotte à Fleurs de Poésie. Mais beaucoup de membres des Poètes en Berry, finalement, ont le courage de sortir un recueil, ils le vendent, mais qui effectivement l'achète en priorité? Ce sont les membres de l'association Les Poètes en Berry. C'est difficile peut-être de l'exporter en dehors, il faudrait peut-être faire des salons, le mettre sur Internet, voilà. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas si évident finalement. Ce n'est pas évident, bon... Connaissant Sylvain, je connais sa timidité. Bon, moi, finalement, j'ai l'air de ne pas l'être, mais quand il s'agit de présenter mes recueils, je ne sais pas me vendre. C'est fou ce qu'on peut se ressembler tous les trois. Ouais. Je crois que tous les poètes sont d'une grande c'est sensibilité. Comme une pudeur, un peu, je pense, une pudeur, une réserve. Ouais. C'est ce qui crée aussi la sensibilité de l'auteur, notamment, je pense. Hein. Je pense que j'ai plus donné de recueils que j'en ai vendu. Hein. Épanouir la fleur. Les pensées se bousculent dans ma tête. Suis-je authentique ou malhonnête? La vie me colle à la peau. Je suis à fleur de peau. Aussi sensible et fragile qu'un pétale, j'essaie malgré tout d'être jovial. Assujetti aux circonstances et aux événements, je flirte avec le hasard, malheureusement. Quand serai-je sujet de mon existence? À quand le bonheur, sans cette pénitence de me sentir le pantin de moi-même et réaliser ce pourquoi j'aime les poèmes? La suggestion, les belles valeurs, le mystère, le secret ou la candeur, afin d'épanouir davantage la fleur d'où émanent les fragrances de mon cœur. Sont à ma porte, un dernier coup d'œil en arrière, dans le rétro.
cette course. C'était le temps des accords majeurs où tout était illuminé. J'entends battre ton cœur doucement, doucement. Je ne suis pas soigné. C'était le temps de la cantate, le temps où tu l'as joué pour moi. Continue sa route à l'envers. Je ne suis pas chrétien, mais de tout je me souviens. Vive le vent de l'hiver, tout retourne à la terre. Les loups sont à ma porte, un dernier coup d'œil en arrière dans le rétroviseur. J'étais sur les routes de Paris, nuit d'hiver, j'étais sur les routes. Raphaël, le temps de l'hiver, paroles et musique de Raphaël Haroche, extrait de son CD « Je sais que la terre est plate » sorti en 2008. Alors j'introduis mon texte par un petit haïku. Donc un haïku, c'est un poème d'influence japonaise. Sous l'azur céleste, des campanules bleutées fleurissent la roche. Le poème lié à ce haïku s'intitule « Avec les fleurs sur mon passage ». Armé d'innombrables bougies, j'éteindrai le désespoir de mes nuits et les pas que je tracerai dans les paysages s'inviteront avec les fleurs sur mon passage. Aussi puissant qu'un torrent de printemps, aussi tendre et doux qu'une mère avec son enfant, je réveillerai l'aube par d'agréables messages, illustrant la mémoire de mes différents voyages avec des gens et leurs sourires, avec des gens et leurs soupirs. Mon être sensible pailleté de ces souvenirs échafaudera les passerelles de mes intimes désirs. On parlait tout à l'heure de la timidité des différents poètes. Et alors, Sylvain et moi, on se connaît maintenant, je crois que ça fait à peu près 2 ans. Au début, lui faire lire des textes en public, c'était quelque chose d'impensable. Compliqué, effectivement. Très compliqué. Et je trouve que, et c'est pas de la prétention, de l'avantardise, moi je suis pas du genre lèche-botte, mais je trouve que tu as fait d'énormes progrès pour les lire en public. Tu as peut-être moins peur, tu as moins de crainte. Je suis un peu moins stressé, effectivement. Je commence à prendre de l'aisance aussi. De la confiance en moi et de l'aisance. Donc ça m'aide aussi à les déclamer, à les dire avec de l'émotion. Ressentir mes mots, ressentir mes textes pour les lire avec aussi une sensibilité et chercher aussi peut-être un écho chez l'autre. Ça fait davantage écho quand je le lis avec ma sensibilité et mon cœur. Mais quand on est stressé, effectivement, ça retient beaucoup de choses. Donc se libérer de ça et de l'appréhension quand on peut lire en public, ça peut arriver à beaucoup de gens. Mais se libérer de ça, je pense que ça libère aussi les sentiments et l'émotion que ça dégage, qu'il en émane. De façon, en général, le public qui vient pour écouter des poèmes, il n'est pas là pour descendre ou enfoncer l'artiste. Au contraire, il est là pour l'encourager. Donc ça peut être aussi un stimulant. Oui. J'ai travaillé un peu sur moi là-dessus. C'est vrai que c'est important de savoir qu'on n'est pas parfait, mais on est perfectible. J'ai un poème là que je viens de trouver qui prouve qu'effectivement, il peut écrire même contre l'idée même qu'on se fait de lui. Ah. Je viens de tomber sur l'enfer et mon paradis. Voilà. Je me délecte à faire souffrir. Quand on le connaît, hein. Je me délecte à faire souffrir, tel un tourbillon cruel, j'aime à faire mal et détruire pour que s'exerce mon fiel. Je suis sans pudeur, lorsque de l'autre je profite, j'évince toute candeur et par un sadisme machiavélique, je dicte mes lois chaotiques et funestes au bon.
À ceux qui croient encore à la beauté, je les écrase des diktats moribonds et les toise à ma grande supériorité. Je ne considère personne et je n'ai pas de prochain, simplement des victimes qui se donnent à mon austérité et mon dédain. L'enfer est mon paradis et c'est seulement à travers ça que se réalisent mes envies à évincer le faible sur mes pas. Connaissant ça, c'est lié vraiment à mon observation aussi d'exacerber ce sentiment de cruauté qui peut exister malgré tout encore sur Terre. Oui, malheureusement, mais alors, d'ailleurs. Vraiment le contraire de toi. Et voilà, c'est parce que j'ai écrit aussi des thèmes qui me représentent pas en fait. Voilà. Là, c'est sûr. Ceci ne me représente pas. Mais tu puises un petit peu dans tous les domaines. Hein. Tu parles aussi bien d'amour, de l'actualité, de ce qui peut te révolter, que ce soit au niveau politique, écologique, oui, financier. Ouais. T'es un petit peu quelqu'un de révolté, mais en même temps utopiste. C'est Lamartine qui disait « Les utopies d'hier seront les vérités de demain ». Et ça, je pense qu'il y a une part, peut-être, en tout cas l'espoir fait vivre, et je crois que sans espoir, on ne crée pas, on ne peut pas agir non plus dans le bon sens. Pour donner une lueur d'espérance à nos enfants, il faut quand même écrire de belles choses et rêver aussi. La rêverie est importante. Dans le sens où, quand ça peut se produire aussi un jour, peut-être une personne volontaire et qui aura le courage de créer de belles choses sur Terre fera avancer les choses et le climat ambiant n'est pas forcément toujours rose. Donc, bien loin de là. Ouais. Autant écrire de belles choses pour l'enjoliver. Il a tout à fait raison. C'est vrai. Tu étais mon île. La douceur de ton être faisait écho en moi telle une mélodie qui subsiste en émoi, avec une sensation paisible de bonheur, rythmée à la cadence des battements de mon cœur. Quand j'étais malade, tu étais mon île et la pensée de mes nuits difficiles. Accompagné de ta présence ineffable, nous jouions parfois au tennis de table. Je perçois encore le calme de ton visage et quand je doute, j'imagine ton image. Un paysage neuf se crée alors un peu comme un nouvel accord. Aujourd'hui, tu es loin de moi mais mon cœur persiste à côté de toi. Tu m'as donné mille choses, sans pour cela que tu t'y proposes. Ta mémoire restera immuable et sans cesse. Tel un paysage qui enchante et bouleverse. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remettre un endroit à la chanson,
déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. La femme est l'avenir de l'homme. La femme est l'avenir de l'homme. Il s'appelle Sébastien Chaperon. Son disque, qui ne comprend malheureusement que 3 titres, chante Ferrat. Donc bien évidemment, La femme est l'avenir de l'homme, signé donc Louis Aragon. Et Sébastien Chaperon était accompagné d'Estelle Gottfard au violon. Il y avait également Bruno Gomez à la guitare, sans oublier Olivier Petitjean aux percussions. C'est un artiste que j'ai eu le plaisir de voir il y a quelques jours à Crézancy-en-Sancerre dans le cadre du festival Crézanswing. Et sans trop vouloir m'avancer, il y a deux possibilités qu'il vienne et qu'il soit retenu pour le Printemps des Poètes 2019. Je peux vous assurer que j'ai eu un véritable coup de foudre pour cet artiste qui revisite Jean Ferrat. Certes, des rythmes un petit peu swing, un petit peu jazzy, mais ce qui ne dénature en rien l'univers musical de Jean Ferrat, et l'artiste a une présence sur scène, c'est magnétique. Et en plus, mesdames, mesdemoiselles, vous verrez que c'est un beau mec. Donc, c'est... Ben non, on le verra pas, c'est à la radio. Non, mais quand il viendra. Quand il viendra, oui. Voilà, d'accord. Quand il viendra, on l'espère pour le prochain Printemps des Poètes. Mais c'est d'autre Ginette. Part, tu viens de faire une erreur, la chanson n'est pas d'Aragon, elle était de Jean Ferrat. Autant pour moi. Autant pour moi. Bah, puisque tu as la parole, ma chère Ginette, tu vas nous présenter ton agenda, s'il te plaît. Alors, agenda de septembre et octobre 2018. En septembre, vendredi 21, de 15h à 17h, les rencontres au hameau de la fraternité. Le jeudi 27 à 20h30, rencontre au relais de Chino à Issoudun. Le repas est possible à partir de 20h, mais il faut réserver avant le mardi précédent, au 02 54 03 09 83. Au 02 54 03 09 83. Et puis le dimanche 30, ce sont nos 17e rencontres des poètes en Berry, qui cette année sont animées par les membres des poètes en Berry. Cela se fera au Tivoli, 3 rue du Moulon. À Bourges. 9h30, accueil des invités. À 10h30, Jenny Torres et Raphaël Vaillant de la compagnie Mal et Lucas Juron. Mais qui es-tu, Max? Il s'agit de Max Jacob. Jacob. À midi, apéritif avec les bons mots de Pascal Le Fur. On va s'affectuer, on peut lui faire confiance. Là, on fait exactement. À 13h, le repas animé par GL, dont nous avons entendu les chevals. En tout début d'émission. Et à 15h, le cabaret sans dessus dessous proposé par GL. C'est lui qui va faire à 15h son spectacle. Qui ne sera pas forcément composé de ses propres chansons, mais de chansons françaises du répertoire que tout le monde pourra reprendre, si j'ai bien compris. Il y aura des siennes et des chansons populaires. La participation à ce dimanche est de 25€, tout compris, pour tout ou partie de la journée. C'est-à-dire que même si tu ne viens que l'après-midi, tu payes 25€. Donc, il vaut mieux venir toute la journée. Mais Sylvain, il fera l'effort de se lever le matin. Voilà.
Il faut réserver obligatoirement avant le 22 septembre au 06 85 07 75 88. Je répète, 06 85 07 75 88 ou par courriel à j.p.mercier, tout en minuscule, @cri.fr. En octobre, jeudi 4, Café Poésie à la Soupe aux Choux à Bourges à partir de 21h. Le repas est possible au Guillotin à partir de 19h30. Vendredi 12 octobre, les rencontres au Moulin de la Voiselle à Bourges de 18h à 20h. Le dimanche 14, Assemblée Générale du groupe poétique François Villon à Issoudun. Le mardi 16, les souffleurs de verre sur Radio Résonance 96.9 de 19h10 à 20h avec comme invité Thibaut Chevalier qui présentera ses poèmes. Quelqu'un que nous avons rencontré pas plus tard qu'au dernier Café Poésie à la Soupe aux Choux et qui est quelqu'un apparemment de très intéressant, et je pense que l'entretien sera passionnant. J'ai beaucoup aimé le texte qu'il a lu jeudi soir. Notamment. Jeudi 25 à 20h30, rencontre au relais de Chino à Issoudun. Le repas toujours possible, mais il faut réserver au 02 54 03 09 83. Et enfin, le vendredi 26 à 15h, les rencontres au hameau de la Fraternité à Bourges. Mais ces deux dernières dates seront redites le 16 à Radio Résonance. C'est très gentil, merci Ginette. Et comme après l'agenda, comme d'habitude, on ne change pas ce qui fonctionne, on va retrouver notre poème du répertoire. Pauvre, je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Il me faut voir, entendre et abuser, t'entendre nu et te voir nu pour abuser de tes caresses. Par bonheur ou par malheur, je connais ton secret par cœur. Toutes les portes de ton empire, celles des yeux, celles des mains, des seins, et de ta bouche où chaque langue fond. Et la porte du temps ouverte entre tes jambes, la fleur des nuits d'été aux lèvres de la foudre, au seuil du paysage où la fleur rit et pleure, tout en gardant cette pâleur de perles mortes, tout en donnant ton cœur, tout en ouvrant tes jambes. Tu es comme la mer, tu berces les étoiles, tu es le chant d'amour, tu lis et tu sépares les amants et les fous, tu es la faim, le pain, la soif, l'ivresse haute, et le dernier mariage entre rêve et vertu. Serge Reggiani, dont le timbre de voix est reconnaissable entre mille, qui nous a lu « Prête au baiser résurrecteur », un poème de Paul Éluard. Paul Éluard, tout comme Paul Verlaine, sont deux des poètes que notre invité Sylvain Grivotte affectionne tout particulièrement. Pourquoi ces poètes? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Je trouve que Paul Éluard a une façon assez fantasmée d'écrire, un peu comme moi. Il sublime en fait ses idées en les écrivant à sa façon, avec sa sensibilité, son émotivité et sa plume très aiguisée, je trouve. Il fait voyager dans son univers d'une façon assez forte pour moi. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. Et il a dit, la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Et là je dis, l'espace qui passe entre la jet set, les phrases, les palaces et puis les techniciens de surface. Do
autre espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mets-moi quand je tiens, tiens, mets-moi quand je tiens. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'argent, comme la vie c'est détergent, et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie, et il a dit: ah, la vie ne vaut rien. Quand je tiens, tiens, mets-moi quand je tiens. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Alain Souchon, la vie ne vaut rien. Alain Souchon est bien évidemment à la fois auteur et compositeur de cette chanson tirée de son CD Je veux du live, édité en 2001. Se dire que l'on s'aime. Peu m'importe le savoir si j'en oublie ton cœur. Peu m'importe le bonheur si j'en oublie de te voir. J'observe et je regarde autour dans l'espoir de délivrance et d'amour. Je m'évade, je rêve et je pense, un ailleurs, un silence et une connivence. Mon regard est opportun et s'aimant en ton sein, soucieux de voir flamboyer tes yeux, tels des astres merveilleux, doués d'une lumière aux mille nuances. Et en dépit de la cruauté et des engeances, malgré les jaloux et les temps blêmes, t'inviter et se dire que l'on s'aime. La couverture de ce recueil à fleurs de poésie, c'est... des arbres, des fleurs, tu aimes beaucoup parler des fleurs. Ça a été pris où, cette photo? Alors, elle a été prise au parc floral d'Apremont-sur-Allier. Il s'agit d'un magnolia, prise en contre-plongée. La photo a été prise en contre-plongée, donc c'est moi qui l'ai prise, effectuée. Ah, en plus d'avoir des talents de poète, tu as des qualités de photographe? Ma sensibilité, en général, s'exerce sur quelques autres domaines que l'écriture, effectivement. Notamment la photographie, que j'aime pratiquer en amateur, tout simplement. Tu n'es pas marié, je pense? Non. Tu as accompagné? Non. Non plus. Finalement, assez peu voilà. de poèmes. Alors, sur la fin. J'ai eu des aventures qui m'ont laissé parfois un goût amer, donc des déceptions, comme beaucoup de gens peuvent en vivre. Mais j'ai toujours envie de vivre une idylle, entre guillemets, avec une femme que j'aime et qui m'aime, que j'exprime aussi dans mes textes. C'est mon imaginaire qui m'amène à écrire ce genre de texte. Oui, comme on dit, un chat est chaud et craint l'eau froide. Quand ouais, on oui. a eu des déceptions, après, c'est peut-être difficile de faire confiance. De faire confiance. Dans l'ensemble de la programmation musicale que Sylvain Grivotte a choisi, ça parle beaucoup d'amour. Là, on s'en est rendu compte quand on a que l'amour de Brel, entre autres. Donc l'amour est vraiment très présent hein, chez toi, même si tu n'as pas trouvé ta moitié. Je n'ai pas trouvé l'âme sœur, mais ça n'empêche pas de propager l'amour quand même autour avec les gens qui m'aiment, qui m'apprécient, comme avec les amis par exemple. Je côtoie des personnes au billard, puisque je joue aussi au billard, dans ces milieux-là où la chaleur humaine se ressent. Il n'y a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un pour aimer les autres. L'amour se fait aussi, peut se faire lorsqu'on est seul, peut se déclamer lorsqu'on est seul aux gens qui en reçoivent l'essence finalement, naturellement, quand on est dans cette propension-là surtout, quand on est dans cette inclination. Moi je me dis souvent que l'amitié parfois est souvent plus importante que l'amour. Parfois effectivement, ça peut être plus durable. Ouais. Une paix impérieuse. À quoi bon essayer de tout maîtriser ? Pour
Pourquoi ne laisserions-nous pas aller nos intuitions et nos belles idées plutôt que nos ambitions cruelles, surannées, affligeantes, dégradantes, insipides et grasses ? Elles laissent des relents de guerre lasse, de violence, d'exaction et d'humiliation. Et si nous faisions un peu plus attention à l'autre et ce qui donne sens à la vie, à cette belle création et à de dignes envies, nous pourrions réfléchir, agir et voir une existence meilleure ensemble et croire en une paix globale, impérieuse et sincère, un sens à nos vies fraternelles et solidaires. S'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? S'ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. William Scheller, Un homme heureux, lyrique et mélodie de William Scheller, tiré de son album Scheller en solitaire, datant de 1991. Vous êtes toujours à l'écoute du 96.9, en l'occurrence de Radio Résonance, et plus précisément de l'émission Les Souffleurs de Verre, proposée et présentée comme chaque troisième mardi du mois par l'association Les Poètes en Berry. Et nous continuons notre entretien avec notre invité Sylvain Grivotte à l'occasion de la parution de son second recueil de poésie, À fleur de poésie, tel en est son titre. Avec un haïku en lien avec le poème. Au faîte d'un arbre, une corneille nuance les couleurs d'automne. Le poème s'intitule « Suspendre le temps ». Mon être est un paysage. Envisage-le à cœur ouvert. Perce mes pensées à découvert et entreprends un agréable voyage avec des monts et des vallées aux fleurs champêtres.
des animaux et des rivières avec des fenêtres sur les infinies et douces nuances du ciel, accompagnées d'oiseaux innombrables à tire-d'aile, des arbres souverains et leurs solennelles branches, des troncs féminins galbés en forme de hanches. Promener son âme au décor bucolique et tendre et s'enivrer en instant que la nature engendre. Je viens de trouver un petit haïku là où j'ai l'impression de voir un gamin. Une flaque d'eau et des reflets lumineux, mes pieds joints dedans. Tu sautes dans les flaques. Oui, c'est bon, c'est des souvenirs en fait, d'écrire ce genre de choses, des bons souvenirs qui m'amènent de la joie effectivement. Et c'est des souvenirs effectivement heureux. Quand on est enfant. Que j'ai voulu écrire. Et la vie prodigieuse qui suit est magnifique. Hein. Voilà. Je peindrai la vie en bleu pour la rendre éternelle. Les enfants joueront quand il pleut et danseront des vérités nouvelles. Avec le vol magnifique des papillons, tel un cri, une prière ou une oraison. Avec intuition et curiosité, tu tutoierais de nouvelles idées, favorables à l'étonnement ou la surprise, et insufflées par la douce énergie de la bise. Par humour et dérision de tout, je rigolerai aussi de vous, et puisqu'il s'agit d'un monde insolite, où la haine et l'amour cohabitent, j'ignorerai les personnes haineuses pour bénéficier de cette vie prodigieuse. Ça, c'est magnifique. Eh oui, mais c'est tellement difficile de sélectionner un poème à lire de Sylvain Grivotte. Moi, je voulais en lire un plus tard que jeudi dernier, j'ai pas eu le temps, mais j'ai mis beaucoup de temps à en sélectionner un parce qu'ils sont tous très beaux. C'est énervant à dire, quand même. je l'ai ouvert au hasard. Voilà. Et j'ai tombé là-dessus. Alors, moi, je vais en lire un aussi, moi, qui personnellement me plaît bien et je pense résume un peu aussi la personnalité de Sylvain Grivotte. Le grand horloger. Je me réjouis du temps qui passe, sans nostalgie ou rancœur lasse, et j'attends sereinement le funèbre destin, car c'est seulement la vie que je retiens. L'expérience et la connaissance m'accompagnent comme une chance, et les traces du temps imprégnées à ma vie définissent aujourd'hui qui je suis. Tel un compagnon bienveillant et un guide, ma confiance en lui est indéfectible et solide. Parfois, il m'arrive encore d'avoir peur et d'être aussi en souffrance intérieure. Mais je ne m'offusque plus, car le temps évanouit ce surplus. Je sais ne pas être un indicatif présent, et avec son mouvement juste et permanent, le grand horloger me donne avec gentillesse à jouir également au bonheur et aux liesses. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs, Sylvain, quand on écoute des amis ou d'autres personnes que l'on ne connaît pas, qui s'approprient, entre guillemets, tes mots, tes poèmes? Ça fait plaisir. On partage l'écriture pour que ça résonne chez les autres aussi, que ça fasse écho, qu'on laisse une trace peut-être du passage fugace sur Terre. On n'est rien, en fait, mais quand on arrive peut-être à transmettre un message positif et bienveillant, le cœur ou la sensibilité que je peux avoir, en tout cas, le principal n'est pas forcément d'en vivre, comme disait Ginette, ça se vend au compte-gouttes, les recueils. Mais par contre, laisser un peu de bonheur dans le cœur des gens, c'est déjà le principal. Oui. On se dit pas parfois, tiens, la façon dont un tel ou une telle a lu ce poème, tiens, je l'aurais pas imaginé comme ça, ou non, il n'y a pas... On fait des critiques, bien sûr, c'est normal d'être critiqué, puisque je fais un travail d'artiste. Non, mais c'est toi, en écoutant tes poèmes dits par d'autres. Parce que tout le monde ne les ressent pas de la même façon. Ah oui, voilà. Bien sûr. Alors, je pense que chacun est différent et a une sensibilité différente, donc forcément, on se l'approprie différemment également. La sensibilité est propre à chacun. On me dit parfois que je devrais écrire, pas forcément employer la première personne du singulier comme je fais tout le temps, ça peut faire une preuve narcissique. Sauf que, effectivement, j'emploie cette première personne du singulier exprès pour que ça résonne davantage au lecteur qui me lit. Je pense que la personne qui lit, enfin, c'est un parti pris en tout cas, j'ai pensé faire ça à cette première personne du singulier pour interpeller davantage le lecteur. Après, j'ai mon style et je me l'approprie totalement. Je me laisse pas forcément dévier ou dériver par les critiques. Je pense qu'il faut assumer aussi son style. Je pense, oui. De toute façon, quand on n'écrit pas pour les autres, on écrit pour soi, on écrit pour s'exprimer. On s'exprime. Donc, c'est ridicule de ne pas parler à la... C'est normal de parler à la première personne.
En tout cas, on espère vous avoir donné l'envie, chers amis, qui nous faites l'amitié de nous écouter, de vous procurer ce recueil à fleur de poésie, écrit donc par notre invité Sylvain Grivotte, aux éditions Thierry Saja, que vous pouvez trouver bien évidemment auprès de l'association Les Poètes en Berry. Vous avez eu le numéro de téléphone et l'adresse du site internet par Ginette il y a quelques minutes. Vous pouvez vous adresser à la radio. Moi, je peux vous dire que 100 poèmes pour 12 euros, ça fait pas cher le poème finalement. Non. Voilà. Non. Donc, allez-y. Moi, je vous le recommande. À chaque fois, je lis un de ces poèmes. Rien d'en parler, voilà, je suis toujours ému quand je lis un poème de Sylvain. Et c'est pas de la flatterie gratuite, c'est vraiment sincère. Alors on va t'écouter pour un dernier poème, Sylvain, et on va déjà conclure l'émission. Choisis celui qui te paraît le mieux pour conclure. Aimer comme j'aime. Je veux aimer comme j'aime. Mourir dans un émouvant poème, après m'être enivré de nous et savourer un peu de tous les goûts. Je lâche la bride au cheval qui me mène, serein, tranquille et sans chaîne, afin de découvrir un ailleurs et une esquisse du bonheur. Je veux vivre au-delà des contingences et danser un peu de toutes les danses. Je croiserai peut-être l'ironie du destin, et alors j'irai prendre d'autres chemins. Ma vie sera celle dont j'ai toujours eu envie, telle une compagnie à laquelle je souris. Je vais m'en aller, aller mon ami, je vais m'en aller vivre ma vie. De l'autre côté, je vais semer le doute et reprendre ma route, et reprendre ma route. Je t'ai tant aimé, aimé mon ami, je t'ai tant aimé que dans ma vie. Tu as fait ton nid, je m'envole quand même, adieu tristesse, il faut que je te laisse. J'ai laissé autant de larmes, larmes couler, que j'ai laissé le navire chavirer, blessé, et par la vague va remporter. Oui, j'ai laissé mes rires se noyer. Je m'en vais, je vais mes larmes, larmes sécher. Oui, je m'en vais, loin de toi ma peine. Si je m'en vais, c'est que l'orage, rage est passé. C'est que je sais qu'être heureux vaut la peine. Je vais m'en aller, ma belle ennemie, je vais m'en aller vivre ma vie. De l'autre côté, tu as semé le doute et j'ai fait fausse route, et j'ai fait fausse route. Je t'ai tant donné, donné ma peine, tant et tant d'années que je me traîne. À toi condamné, je m'évade quand même, adieu tristesse, il faut que je te laisse. J'ai laissé autant de rêves, rêves passés. Je t'ai laissé me faire tout ce mal, et le vent glacé, et les hivers, hivers ont passé, puis déchiré le tissu de ma voile. Je m'en vais, je vais quitter, quitter le port. Oui, je m'en vais, loin de toi ma peine. Si je m'en vais, c'est que je rêve, rêve encore. C'est que je sais qu'être heureux vaut la peine. Calme trouver, oui, loin de toi, je serai sereine et je
suis le phare et je n'ai qu'à me laisser guider. Il faut croire qu'être heureux vaut la peine. Oui, je pars et le calme qu'à me trouver, oui, loin de toi. Je serai sereine, je serai le phare et n'aurai qu'à me laisser guider. Il faut croire qu'être heureux vaut la peine. Zazie, adieu tristesse, texte de Zazie, partition musicale de Phil Baron, qui est également au piano ainsi qu'au synthétiseur. C'est tiré de l'album de Zazie, Encore heureux, dans les bacs en 2015. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. Prochaine émission des Souffleurs de Verre sur Radio Résonance 96.9. Proposée par l'association Les Poètes en Berry. Ce sera le mardi 16 octobre à 19h10. Et nous recevrons Thibaut Chevalier, nouveau membre des Poètes en Berry. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci pour votre écoute, soit sur le 96.9 en FM, soit sur le site de la radio www.radio-resonance.org, www.radio-resonance.org. En parallèle, Gérard, que l'on retrouvera le mois prochain, et moi-même, vous donnons rendez-vous dans le cadre de l'émission Les Musiques Pittoresques, le samedi entre 10h et midi. Toujours sur Radio Résonance. Et personnellement, je vous convie aussi tous les dimanches à 23h, mais aussi les lundis à 19h, bien évidemment sur le 96.9 pour Musique Ça Tourne, magazine musical du cinéma. Et n'oubliez pas, les souffleurs de verre, un souffle de poésie. Merci infiniment, Sylvain Grivoli. Merci à vous. Au revoir. À Bourges, vous écoutez Radio Résonance.